Salut tout le monde, c'est mon premier vlog, je suis un peu excitée et un peu stressée quand même parce que c'est le tout premier donc j'espère que vous allez être quand même indulgents avec moi. Je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu sur mes réseaux sociaux, mais là je vais prendre le train pour vous emmener avec moi dans cette super visite qui m'attend, je vous en dis plus tout à l'heure. Allez c'est parti, je vais dans la rue, c'est la première fois que je vais me filmer dans la rue donc ça va être très bizarre pour moi. Bon, je suis dégoûtée, forcément il y a du retard sur mon train, donc je suis à la gare et j'attends, voilà, ça va un peu repousser notre planning de tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. Que serait la SNCF sans leur retard de train? Bon voilà, je suis dans le train, j'ai pas trop assumé, du coup je suis allée dans la partie où il y a personne, donc c'est parti, on est à grande vitesse, je suis trop excitée d'arriver et de vous dévoiler tout ça et de découvrir surtout tout ce qu'ils ont à montrer. Je crois qu'ils ont vraiment pensé à plein de trucs pour moi et notamment la réalisation d'une vidéo avec eux. Je vous en dis plus tout à l'heure. Je suis en première classe. C'était le même prix que la deuxième pour moi. Bon, remiremont, ça doit pas être la gare la plus fréquentée parce que comme il n'y a plus personne dans le train et qu'on a fait seulement deux arrêts, je pense que c'est au milieu de nulle part. Mais j'ai trop hâte du coup parce que j'adore. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Notre train est malheureusement retenu pour 10 minutes en gare de Épinal. On arrive, je suis au taquet. C'est l'entreprise de Buyer que je vais visiter aujourd'hui, l'usine, et puis je vais aussi faire une petite vidéo avec eux. Donc j'ai trop hâte de la réaliser avec Arnaud qui va me filmer et qui va monter la vidéo. Donc c'est très cool, ça va changer un peu de décor. Et voilà, et surtout j'ai vraiment hâte de visiter l'usine parce que je pense que ça va être la folie. Voilà, et il paraît qu'ils m'ont réservé des petites surprises, donc j'ai hâte de voir tout ça. Voilà, alors on ouvre la porte quand même. Mais en plus, on me porte ma petite valise du collège, regardez, voilà. Vous voyez, j'ai plein de petits mots dessus. Elle a des années-lumière, merci. Et voilà, me voilà à l'intérieur. Bonjour. C'est trop cool, c'est tactile. Ouais, mais elle est buggée. Une table tactile, c'est incroyable. Donc voilà, à l'intérieur, il fait trop bon et c'est trop joli. Alors là, je me trouve dans la caverne d'Ali Baba de Debuyer. Je crois que ça ferait rêver plus d'un professionnel. Et même vous, les particuliers, je pense que voilà, je suis dans le showroom. C'est assez impressionnant. Il y a du matériel partout. C'est génial. Et il y a quand même, un plat à paella géant. Voilà. Pour vous dire quand même, il fait quasiment ma taille. Hein. Là, il est posé par terre. Hein. Voilà, donc je pense qu'il fait à peu près 1m30. c'est assez affolant. Il y a tous les ustensiles qui sont fabriqués chez Debuyer. C'est magique. Là, je crois que la source d'inspiration est géniale. Ça, c'est leur nouvelle douille en triton qui sont très résistantes puisqu'on a l'habitude de renier un peu le plastique. Quand on voit des douilles comme ça, mais là c'est des nouvelles douilles qui sont super bien et en plus ils ont créé un support pour le lave-vaisselle, voilà, je trouve ça assez cool, en silicone pour éviter de perdre ses douilles. Je suis vraiment contente d'avoir découvert tout ça parce que je me rends compte que Debuyer pense vraiment aux professionnels et aux problématiques qu'on peut avoir et ils développent leur gamme comme ça
Et il y a vraiment le choix. Voilà. Ça donne envie de faire plein de choses. Voilà toute la partie petit matériel. Donc là, ils ont vraiment développé une gamme pour les particuliers, en plus de leur gamme professionnelle. Donc il y a plein de super choses. Leur fameuse élastomoule, du coup. Voilà. Voilà le moule de Christophe Renoux qui avait été fait pour son meuf, pour ceux qui ont un peu suivi. C'est De Billet qui l'a fait. Voilà. Et voilà. Ça, c'est mes casseroles. Elles sont trop chouettes. Et donc là, c'est le fameux revêtement 5 couches qui permet d'avoir une cuisson très rapide, homogène et qui crame pas les bords. Et qui, du coup, sur induction, fonctionne très très bien. Voilà. J'ai eu toutes les explications par Chef Philippe. C'était hyper intéressant de comprendre aussi les matériaux qu'on utilise et tout le cheminement qu'il y a eu derrière, toute la réflexion qu'il y a eu derrière, c'est assez incroyable. Donc là, j'ai pris deux casseroles de la même taille. Je vais peser la même quantité de lait de la même bouteille à la même température. J'allume les deux plaques du fond. Je les mets à fond, normalement il faut éviter de chupiller. Ouais. Et je les pose en même temps. Et là on va voir la différence de temps de chauffe déjà. Ah oui, on voit déjà, on entend le bruit quoi. Savoir que de temps en temps tu entends des sifflements sur les plaques induction. Mmh. C'est que ta casserole n'est pas adaptée à la plaque à induction. Ah oui, ça boue déjà. Donc là, tu vois, ça boue. Mmh, c'est dingue. Je vais laisser un peu monter. Et j'arrête. Et si tu regardes le fond, il n'y a rien qui se passe. C'est le calme plat. Ouais. Voilà. Et là, bon, tu as les mains faites. Ici, c'est chaud partout. C'est chaud, oui, mais effectivement. Chaud ouais, bord, c'est vraiment chaud partout. Ici, on boue encore pas. Hein, j'ai mis en même temps. Le bord, il est à peine chaud. Là, on commence à voilà, on commence à voir de la fumée. On commence à voir. Ouais, on commence à entendre. C'est vrai que la différence est quand même assez. Plus cher, mais c'est moins gourmand en énergie. Ouais. C'est plus précis en cuisson. C'est plus régulier. Oui, puis comme tu dis sur feu, c'est vrai que si ça commence à cramer les bords aussi, ça recommence ben voilà, notre... Puis là, les fonds, ils vont jamais jusque... Ne serait-ce que ta flamme, elle vient là. Elle va brûler. Des fois, ça brûle autour quand tu fais une crème anglaise ou une pâtissière. Ça brûle un peu autour. Et nous, pâtissiers, ça, c'est... c'est pas possible. Ça prend le goût tout de suite, quoi. Donc là, et si tu regardes le fond, là, tu vois, ça continue à monter. Et ça continue à bouillir au fond. Ouais. Parce que t'as le fond sandwich qui a emmagasiné tellement d'énergie. Alors imagine un caramel, regarde comment ça... Ah ouais, c'est dingue. Bon, bah ça y est, j'ai découvert les locaux de Debuyer, une petite partie tout du moins, et j'ai discuté avec le chef Philippe qui s'occupe de tout le showroom, de toutes les recettes, de toutes les démos et tout ça. C'était très très cool. Et demain, bah, du coup, je vais visiter vraiment l'entreprise avec l'usine. Là où ils fabriquent tous les moules et tout ça, donc c'est génial. Là je suis dans ma petite chambre trop mignonne avec un super lit king size ou queen size, je sais pas, mais en tout cas il est immense. J'ai super bien mangé avec l'équipe et voilà, je crois que je vais bien dormir et demain ça va être une journée folie. Voilà. Les coups d'aller presse ici en ce moment il n'y a plus forcément grand chose. Il y a acier avec le travail, donc la matière vient de France ou d'Europe et tout est stocké ici. Là il y a une palette de matière première, une grande plaque là sur les lunettes,
Et donc, du coup, ils vont passer ces grandes feuilles. Bonjour. Bonjour. Sur cette machine. Ouais. Au final, en fait, c'est une machine qui va découper justement toutes ces feuilles pour avoir, tu vois, les petites là. Voilà, des grandes plaques. Et là, du coup, il faut la régler en fonction de la taille que tu veux et tout ça. C'est vraiment. Alors, toutes ces machines, il y a un réglage à chaque fois en fonction de la matière, en fonction de la forme que tu veux faire. C'est la machine de dingue. Là, je fais une programmation de pas, vous voyez, je rentre des données. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, j'ai mon cadre qui va faire les séquences avec les coupes différentes. C'est ces valeurs-là qu'on donne qui font qu'à la fin, on va avoir cette partie-là. Donc, c'est ces rouleaux-là qui font que la matière rentre dedans. Ouais. Et on la ramène droite. Ou on lui donne un effet. Ah oui, ça étire un effet, peu. Vraiment pour. Ok, d'accord. À la fin, on a un produit qui est droit. Ouais. Génial. Ah ouais, ça se voit bien. C'est parfait. Et non pas comme ça. Ou... Ouais.
les poils. Après avoir été embouti, j'apprends les termes techniques hein, de l'usine. Donc voilà, donc là ils sont en train vraiment de débavurer, d'enlever l'excédent de matière. Voilà, je bûche un petit peu. Parce qu'après j'ai une interro. Hop. C'est incroyable. Là, on dirait que c'est une couveuse. Une couveuse à petites pièces. C'est génial. Voilà. Et je vais vous montrer mieux. Prenez une photo. Et là, je filme comme ça. Donc là, c'est sablé à gauche. Voilà. Et à droite, c'était sorti d'usine, quoi. Voilà. La soudure des plaques. Voilà. Donc on est vraiment sur toutes les étapes de fabrication. Trop bien, j'adore, c'est génial. Non, c'est peut-être que j'ai pas fait tout le monde.
Pas tout à fait incroyable, mais une première, ça c'est pas mal. J'ai contribué un petit peu du coup à l'élaboration des moules à bûche qu'on va faire tout à l'heure. Donc voilà. Trop bien. Donc là, je suis dans une salle spéciale où en fait ils fabriquent eux-mêmes tous leurs outillages pour les machines. Donc c'est vraiment eux qui font tout de A à Z et c'est assez incroyable. Il y a beaucoup de machines là autour de moi. Et donc voilà, notamment bon, ils vont faire tout ce qui est pièces de machines comme ça, mais aussi vraiment les grosses matrices qui sont là. Donc c'est assez impressionnant. Divisé par non, c'est ça. Ce tout petit fil qui fait les petits trous, vous voyez là. Ouais. C'est magnifique. Je suis un peu stressée là. La pluie fait mouche. Donc là, je le renvoie encore une fois. C'est ultra rapide, c'est impressionnant. Génial. Et là, c'est bon du coup? Je peux bouger, je peux l'enlever. C'est trop bien fait. C'est ultra rapide. Et c'est super facile parce que moi, j'ai pas eu à tout programmer, mais je pense que ça doit être un boulot de dingue de tout programmer. Il y a la scie, en fait on est beaucoup sur la cuisson aussi. Ouais. Il y a une deuxième entre vous juste à côté. Ah ouais. C'est encore plus grand. Ah, il y a l'énorme moule à paella dans le fond, je le vois. Voilà les fameux élastomoules. Voilà, je trouve que c'est vraiment une révolution pour l'artisanat et pour les pâtissiers parce que c'est vraiment, fallait y penser à mêler de la poudre d'acier avec de la mousse de silicone micro-aérée pour avoir vraiment une cuisson parfaite et pour pouvoir démouler rapidement et facilement vos préparations. Moi je suis vraiment très très contente d'avoir découvert ces moules là et qu'ils y aient pensé, moi je trouve ça dingue parce que c'est exactement ce qu'on attendait pour pas avoir un silicone qui sent mauvais et pour pas avoir une cuisson qui est très limitée.
à l'intérieur, puisque pas aéré et pas de caramélisation en général avec des moules silicone. Et là, c'est pas le cas. On peut vraiment atteindre une caramélisation, donc c'est vraiment cool. Et là, je suis en train de regarder comment ça se passe et c'est trop intéressant. 110 degrés là. Après, ils sont recuits 2 heures à 200 degrés. Et si on voit quelque chose. Ça va s'ouvrir. Ah, c'est là que ça va s'ouvrir. Ouais. Génial. Et tu vas voir la pièce. Trop bien. Ah oui, effectivement. Ah, du coup, elles sont faites une par une quand même. Hein. Ah oui, oui. Ah, et ça tient déjà bien. Il est plus palo là. Combien là du coup? 200 degrés. 200 degrés. 200 degrés pendant 2 heures. Ah oui, effectivement. Tu vois, il vient de finir des cuissons. Ah oui, là c'est des plaques de cuisson, c'est ouais. Ça. D'accord. Bah, c'est de la cuisson qu'il fait finalement. C'est dingue. Là on est sur des plaques de cannelé. Le même type de matière première, un rond en inox, on vient le mettre dans cette machine. Ici, on est en fonction des différents produits. Donc, yes. Tu as des chinois, là, c'est des bassines. Ici, c'est pour faire des cuits de poule. Trop bien. Donc, chaque outillage correspond à un produit. Ouais. Donc on vient les mettre dans cette machine. Tu viens mettre ta matière. Ouais. Il y a cette petite pièce là qui vient tirer la matière. Donc voilà, c'est mis en forme en étirant la matière. Ouais. Alors là, je vais vous montrer un truc incroyable. C'est juste fabuleux, les alentours sont incroyables, il y a des sapins partout. Et voilà, c'est toute l'entreprise ça, vraiment avec les anciens bâtiments, les nouveaux bâtiments. C'est fou, il fait tellement bon vivre. Et alors là-bas, je sais pas si on va bien le voir, mais ils ont même fait des petites ruches, voilà. Dans les coulisses du tournage avec Arnaud et notre Cindy aussi, parce que quand même il faut que je vous dise grave, aujourd'hui j'ai quand même une assistante personnelle, donc et me voilà de retour à la maison, ça y est, c'est déjà fini. Ces deux jours sont passés très très vite chez Debuyer. J'ai vraiment adoré passer ces jours-là avec eux, avec toute cette équipe merveilleuse qui m'a fait découvrir plein de choses. Je repars vraiment grandie de ces deux jours parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment un savoir-faire incroyable qu'ils avaient là-bas. Je le savais plus ou moins, mais là je l'ai vraiment vu de mes propres yeux. Donc c'était génial, ils sont super bien occupés de moi, j'ai découvert des choses et puis ben, vous avez vu, ils m'ont fait participer à la production, c'était trop cool. C'est vraiment de la top qualité et là je peux vraiment le dire parce que je l'ai vu de mes propres yeux, tout est fait là-bas, même les matrices des machines, donc c'est vraiment impressionnant. Voilà, et c'était vraiment vraiment cool, merci Cindy, Sophie, Jean-Michel, Arnaud, Philippe. Toute l'équipe, tous les ouvriers qui m'ont montré plein de choses et voilà, c'était vraiment génial à refaire. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mon premier vlog, donc soyez indulgents. Salut !